Hello les bubble fans. Coucou les bubble fans. Alors Tana, coucou Caïs, comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Alors bienvenue sur Studio Bubble Tea Gaming. Et là on va voir une petite vidéo, un extrait vidéo en fait d'Animal Crossing où tu as fêté ton anniversaire. Et ça forcément ça n'arrive que lorsque c'est votre anniversaire. Donc il y en a beaucoup qui ne l'ont pas encore vu ça. Ouais. Hein, l'anniversaire sur Animal Crossing New Horizon. Avant ça, tu vas me montrer un petit peu ton île. J'ai vu quelqu'un qui avait fêté son anniversaire le 26 mars. Et toi c'était le... 3 mai. Bon, tu as d'abord me montrer un petit peu ton île ou ta maison, le musée, ben voilà, un petit peu ce que vous avez fait. Donc là, c'est en train de charger. Ce qui est dommage, parce que le 1er mai, il y avait le labyrinthe. Ah oui, il était trop bien. Ouais. Allez, il y a des vidéos sur YouTube avec le labyrinthe, on n'a pas fait de vidéo, mais c'était vraiment très sympa le labyrinthe. Oh, elle est trop mignonne. Alors, l'extérieur est vraiment caca. L'intérieur. Caca, ouais. Mais dans les bâtiments, ça va. Quand je dis qu'il faut passer, c'est ça qu'il faut passer. Bonjour à tous, donc là, comme vous voyez, c'est le 7 mai. La population de Saint-Denis, on est sur le Calypso. Et là, on a une nouvelle habitante. Calypso. Ah oui. À un moment, je suis allée dans le revendre, là. Et j'avais vu une pyramide de casquettes. Attends, d'abord, faut que tu montes la carte. Il pleut. Alors là, c'est la carte. Il pleut, t'as des casquettes, et des lunettes de soleil, Athéna. Il pleut. Là, c'est Clara. Là, c'est Calypso. Là, la boutique de vêtements, le musée. Et La boutique Nook, avec la mairie, le camping et l'aéroport. Alors, on va visiter ? Ouais. Donc, déjà, donc ça c'est la maison d'Athéna. Tu fais voir ta maison ? Oh, t'as un parapluie quand même. À l'intérieur. C'est swag, hein, le parapluie avec une tête de soleil et la casquette. Ouais. En fait, c'est parce que je la garde tout le temps, parce que je suis trop stylée avec. Non mais... Ah, oh, c'est Chopinou, c'est ta chambre. Non, attends. Mais c'est quoi ? Il y a des poissons au fond ? Ah non, c'est des papillons. Ouais. T'as des papillons au fond. Ouais. Attends, tu... T'as un joli tapis feuille. J'ai un petit... J'ai un tapis nook. Et là, j'ai un petit... Mais tu dors où? Dans le... Non. Si. C'est pas confortable. Ça, comment ça s'appelle déjà ça s'appelle... On avait vu ça une fois sur Studio Bubble Tea. Si, c'est confortable, mais pas pour dormir. Ça se gonfle avec le vent, en fait, avec l'air. T'as pas le lit de coquillage? Si. Oui, mais je lui ai piqué. Ouais. Oh non, tu as piqué le lit coquillage. Il est trop beau, le lit coquillage. Regarde, attends. Elle a des Nintendo. Elle a deux Switch. Voilà. J'en ai une là. Oui. Et là, c'est le truc, ça. Comme tiens, ça. Tu nous montres tes vêtements? Ah oui. Alors, elle a tout ça, des vêtements. En parlant de Switch, hein, on fera une petite vidéo sur Studio Bubble Tea Gaming où tu nous montreras ta Switch Lite Corail, Athéna. Bon, donc voilà, c'est la petite maison avec le petit côté cuisine, le petit salle à manger avec des petites fleurs, voilà. Un miroir, et tout comme ça. T'as un petit doudou. Oui, c'est mon petit chien. Bon là ça y est, donc ensuite... Alors avec un caoutchouc dans ma maison. C'est original. Très original. Donc là c'est l'extérieur qui a ouais. Un peu de bazar, mais faut pas le dire. Ah oui d'accord. Y'a quoi dehors? Y'a un truc pour faire du sport? Ouais, en fait ça c'est mon débarras en gros. Oh, voilà. C'est le bazar, oui. Il y a une chenille. N'importe quoi. Mais tu peux pas la brancher sur le courant? Non mais on peut écouter de la musique. Regarde. On peut écouter de la musique quand même. Ouais. Là, il n'y a pas de musique hein, encore. Donc là, il y a des cocotiers, il y a du bambou. Ouais. Enfin, là, il y a des arbres normaux. Donc notre fruit de base, c'est les pois. On a aussi des pêches. Bon, par contre, les autres fruits... Et on a des noix de coco. Non. On a des noix de coco aussi. Oui, bah ça compte pas les noix de coco. Tout le monde a des noix de coco. Ah bah non, nous, on n'en avait pas avant. Oui, bah... Toi, c'est qui lui? Ah oui, je ne parle pas, ça va être encore relou. Et vous avez fait, vous savez, la cascade canyon, là? Ouais, attends, je sais pas mon passé, mais c'est moi qui l'ai fait. On attend. On attend, faites-moi rêver, faites-moi voyager. Et après, tu... Tadam! Ah oui, d'accord, elle est pas loin. Ah, oh, waouh, elle est magnifique. Donc c'est toi qui as creusé pour faire des petites cascades à droite et à gauche. Avant, il n'y avait rien, c'était de l'herbe. Et vous avez fait comment? Vous avez fait pousser de l'eau? Bah, c'est, regarde. Ça, c'est Remodine. Ça te permet de faire des falaises, de casser des falaises, de faire du nettoyage, des trucs comme ça. Regarde. Waouh, tu te transformes en chef de travaux. Tu peux mettre, par exemple... Chef de chantier. Hop, des petits chemins. Ah oui, d'accord, tu mets du ciment. Non, c'est juste des chemins. Et en plus, tu l'enlèves aussi facilement que tu l'as mis, c'est génial. Ah bah, qu'est-ce que oh, il y a un truc par terre. Ça? C'est quoi? C'est de l'argent. C'est de l'argent. T'es vraiment un nul, hein. Donc... Oh, oh. Non alors, mais... Donc, alors, voilà. Ah oui d'accord mais... C'est super. Après...
C'est magique, Animal Crossing. Et après, ça coûte de l'argent par terre. Et après, tu l'enterres. Et après, ça te donne un arbre à clochettes. Après, il va pousser et ça va faire un arbre avec des clochettes dessus. Et dans quelques jours, il y aura un vrai arbre avec des sacs de clochettes. Donc, il y aura 1000, 1000 et 1000. Et après, ça peut aller jusqu'à 10 000 clochettes. Donc, ça fait 10 000, 10 000, 10 000. Donc, tu peux gagner jusqu'à 30 000 clochettes sur un seul arbre. Faut pas faire plus de 30 000 clochettes parce qu'après, tu perds de l'argent. Bon, je monte ma maison, ok? Ok. Donc, ça, c'est ma petite maison avec la petite déco coquillage. Quand tu c'est ta maison, ça, Calice? Ouais. Alors, on peut voir ou pas? Là, ça sera ma petite terrasse que je vais aménager. Voilà, une petite terrasse sympathique. Ah, d'accord. Pas trop de bord. Comment t'as fait le truc là? Ah, bah, il faudra que tu me demandes. Alors, voyons voir la maison de Calice. Tatin! Tatatin! Tatin! Je n'ai pas de terrasse, moi j'aurais jamais une terrasse. Bon, voilà, mais c'est grand! J'ai dû faire un peu le ménage. Hein. Donc, il y a un nounours géant. Mais t'as du monde chez toi? Non, c'est t'as un public? Non, c'est le papier peint. Le papier peint qui bouge. Ouais. Ça serait pratique que ça. Donc, il y a un nounours géant, une plante verte, un petit canapé. Comme ici, il y a un nounours géant. Ah, t'as une lampe à lave? Ouais, j'adore les lampes à lave. Mais t'as pas de lit coquillage? Attends. Il est dans le stock de la maison parce que j'ai dû faire un peu le ménage et j'ai pas le temps de le reposer. Donc là, t'as un petit truc pour écouter de la musique, un petit bambou. Et puis là, t'as la deuxième pièce. Donc c'est une pièce, à la base, c'était pour faire du sport, sauf que donc j'ai dû faire un peu le ménage. Ouais, t'as fait de la duplication dedans. Je t'ai vu faire de la duplication, Calice. Non. T'as dupliqué les objets. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Oui, mais j'ai perdu tout mon argent parce que les navets, ils ont pourri. Mmh. Ah. On va faire une nuit au musée. Donc là, c'est l'endroit où, tu vois, il y a plein d'arbres. Ah oui, c'est... Ouais. Où il y a plein de pêches. C'est ton truc à clochettes. Et avec tous les arbres, tous les fruits des arbres, je récupère 27 000 clochettes par jour. Ah, mais c'est une forêt. Bah ouais. C'est toi qui as tout planté. Ouais. Oh, non. Donc là, t'as le boutique Mélie Mélou. Waouh. Oui. Coucou. Bonjour, sois la bienvenue à la boutique, donc. De plaisir. Donc là, après, vous pouvez pas de dessin, hein, c'est... Ah ouais, d'accord, tu peux acheter plein de choses. D'ailleurs, moi, j'ai une idée, c'est genre, on met un dodo code, par exemple sur Instagram ou je sais pas où, et après on dit, oui, bah, il y a Calice qui vous invite sur son île, et après on pourra faire des mini-jeux là-bas. Donc là, tu es devant le musée, Athéna. Si. En tout cas, pourquoi pas, Calice, ton idée d'Instagram, donc en tout cas, suivez-nous sur Instagram Studio Bubble Tea, abonnez-vous aussi à Studio Bubble Tea. Je préfère avoir un parapluie. Voilà, et je pense que on pourra faire ce que tu as dit, on pourra aussi, pourquoi pas, visiter vos îles respectives. À ce moment-là, je vous mettrai un petit post sur Instagram et vous mettrez en privé vos codes et on ira visiter vos îles, on pourra faire ça un jour. Donc là, on est dans le musée, le musée, il est vraiment super beau. Ouais, j'ai vu quelques images, mais alors j'ai pas tout vu, j'ai vu des squelettes. Il faut que tu regardes ce musée et le musée d'avant, tu verras. Rien à voir. Voilà. Tout ce que tu trouves dans le jeu, tu le ramènes ici. Voilà. Les os, les papillons, les animaux, les poissons, les trucs comme ça. Donc là, tu vois, il y a des petites bestioles. Ouais. Et donc t'as des petites grenouilles, petites bestioles comme ça. Là, t'as plein de papillons. Oh, ils sont beaux. Hier, il y en avait plus. Oh, ils dorment peut-être. Ok, un petit. C'est là que tu les as piqués, Athéna, pour les mettre chez toi? Mais non. Je colle. Tu les as capturés. Il y a plein de papillons sur les fleurs, mais c'est autour. Je veux trop un petit papillon pour la mettre chez moi. Mais ils sont dans une cage. Donc là, t'as les petits papillons. Enfin, papillons. C'est plus qu'un musée, en fait. C'est un zoo. Insectes. Est-ce qu'il y a des reptiles? Non. Ah bon, pas de serpent. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir les migales que vous capturez? Oui, mais je ne sais pas où elles sont. C'est trop beau. Il y a une sauterelle. Allez, une sauterelle là, il y a des petites fourmis. Ah oui, c'est vrai, t'en avais attrapé une, je crois. Donc là, il y a un papillon qui sort de son cocon. Il y a rien à voir ici. Mais c'est énorme, ce musée. Oui. Moi, je connaissais que la pièce des dinosaures, en fait. J'avais rien vu d'autre. Voilà. Ça, c'est le musée, encore. Ouais. C'est des fossiles, c'est pas des dinosaures. Par contre, j'ai pas réussi à attraper de scorpion encore. Ah oui. Bah, en même temps, attraper des scorpions. Oui. J'en ai vu qu'un sur mon île. Bah ouais, c'est pour ça que t'en attrapes pas. Bah oui, j'ai pas réussi à l'attraper, il m'a tué. Et bientôt, là, dans quelques instants, on va voir l'anniversaire d'Athéna sur Animal Crossing New Horizons sur Switch. Là, il y a plein de poissons.
peut. C'était trop bien cet anniversaire. Donc là aussi, il y a plein de petits poissons. Waouh. Il y a des aquariums vides encore, il y a du boulot. Oui. Hein. Donc là, c'est aquarium à requins. J'en ai attrapé un des requins aujourd'hui. Bah, il est où? Ah oui, c'est sur ton compte. Chez moi. Et tu as mis dans l'aquarium déjà? Non. Non? Il est chez moi. T'as un requin chez toi? Tu l'as mis dans un aquarium? Oui. Non. Bah, il est où? Il est mort. Non. Non. Oh, j'ai cru voir Dory, non? Non. Non. Elle est pas là. Une tornade de poisson. Oh, c'est beau. C'est tout, mignon. Magnifique. Et là, par là, il y en a un. Ouais, mais il n'y a rien encore. Il y a un poisson lanterne. Ah, il y a un poisson lanterne. C'est un poisson lanterne. Ouais, un poisson lanterne. Là, il y a encore des places pour des poissons. T'as vu, il y a une croix, ça veut dire qu'il y en a encore des places pour les poissons. Pour ceux qui se posent la question, qui n'ont pas le jeu, oui, il y a du son. Il y a une petite musique, il y a des bruitages, il y a tout ce qu'il faut. Ça veut, ce clion. Attends. Va ici. Vas-y. C'est le clion. C'est les tunnels de poissons. Wow, c'est le tunnel à requin, non? Ouais, enfin, c'est le tunnel à poissons, quoi. D'accord. C'est super beau. Wow. Et je vais pêcher ça aujourd'hui. Il est trop beau. Allez, c'est fini les poissons. Les dinos, les dinos, les dinos, les dinos. Les dinos. Et si vous mettez un hibou dans de l'eau chaude, qu'est-ce qu'il fait? Il boude. Bah, il boude, ouais. Ça, c'est la mise à jour du mois dernier. Donc, c'est des œuvres d'art. Ouais. Et attention, préparez-vous vos yeux, préparez vos yeux ébahis. Regardez. Attention au roulement de babouin. La pièce la plus rare du musée dans la galerie des arts, c'est celle-là. Oh. C'est aussi la seule. Hein. En fait, c'est tout ce qu'il y a. Ah. Il manque encore pas mal de trucs, hein, mais la plupart des choses sont coupées. Donc déjà là, pas mal de trucs. Voilà. C'est presque tout rempli. Là, il en manque un ici. C'est tout. Alors ça, c'est les fossiles. Ah non, c'est enfin les petits fossiles et les petites statuettes bizarres. Après c'est les os. Ouais. Donc vous ramassez les os et vous les ramenez. Oui, des fossiles et après il les expertise et après il découvre ce que c'est. Donc des fois vous ramenez des os longs et des fois vous ramenez des os courts, au secours. N'importe quoi. Donc oh, ça va, je te remercie. Hein. Oh, il y a c'est un peu plus. C'est marrer. La météorite qui a détruit toutes les. Oh. C'est la météorite. Ah bon? Mmh. On dirait un radis. Dans une tarte, on dirait une tarte au radis. Bon, j'ai du lit. Une tarte au navet surtout. Allez, bientôt l'anniversaire d'Athéna sur Animal Crossing New Horizon. Une fois qu'on aura terminé le musée et une petite boutique que Athéna voudrait nous présenter. Une petite boutique de vêtements, de fringues, de fripes, de soldes. Ça va faire plaisir. Et de pâtes. Quoi? De pâtes. Non, ah oui, donc là, pardon, on est encore on est dans le. Ah, regardez les mammouths. Mais non, là. Et est-ce qu'on peut voir la description de ces différents dinosaures ou sinon on passe devant mais il se passe rien? Si. C'est vrai, on peut voir un panneau par exemple, tu prends le premier qui vient là. Voilà. On peut lire. Ah, génial, un stégosaure. Un stégosaure. Merci de nous aider à compléter ce squelette. C'est un steak avec un petit. Un ankylosaure. D'accord, donc voilà, on peut vraiment apprendre des choses en fait. Et pour les poissons, les papillons, pareil? D'accord, donc on peut vraiment passer 3 heures dedans, quoi. Ouais. Et les arts aussi. Comme dans un vrai musée, on peut s'arrêter et garder toutes les pancartes. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir, les amis? La boutique de Layette. Ok. Après, il faudra éventuellement voir les petites maisons des habitants. Dans une autre vidéo Animal Crossing, puisque là, je pense que tout le monde attend l'anniversaire d'Athéna. Ouais. C'est un petit peu le but de cette vidéo. Donc là, c'est la boutique de vêtements. Oui. Il faut ouvrir. Oui. Bienvenue chez les sœurs doigts de fée. L'entre des vêtements griffés. Griffés, ça veut dire des vêtements de marque. Donc, il faut t'avouer un truc. Ouais. La boutique Layette, on l'a eue après le remodel. Ouais. Ah. Et alors? Ah, il y a Sonic. Eh ben, les 70% des gens l'ont eu avant. Au moins. Et là, il y a plein de vêtements. Non, je suis à tout. Question bête, mais est-ce qu'on peut avoir un garçon comme personnage? Oui. D'accord. Je pense avoir. Bon, bah, ok. Voilà.
Voilà. Maintenant, attends, on va juste le petit quartier de maison. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on voit ton anniversaire, Athéna? Attends, d'abord, il y a le quartier de maison là, qui est okay. Là. C'est juste ce que je vous montrer. Là, il y a une maison, là, il y a une deuxième maison, et là, il y a une troisième maison, et là, il y a une quatrième maison. Voilà, beaucoup. Voilà, okay. Tout mimi, tout choupi. On peut avoir des étoiles filantes. Tu peux même faire du surf. Ouais. Oh, il y a des palourdes. Ah, il y a un château de sable. Ouais. Moi qui l'ai fait. Enfin, qui l'ai planté, quoi. Une palourde japonaise. Oui. Elle est bien trop légère. Bah oui, elle est pas lourde. Alors, Athéna, est-ce que on regarde ton anniversaire maintenant? Ouais. Alors, c'est parti pour l'anniversaire de Athéna dans Animal Crossing New Horizons sur Switch. Dans 3 secondes. 3, 2, 1. Bon anniversaire. Oh, Athéna, même sur Animal Crossing, on te souhaite ton anniversaire. Ouh. Je savais même pas qu'on pouvait fêter un anniversaire sur Animal Crossing. Ça te souffle, hein? On a appris qu'aujourd'hui c'était ton anniv, alors on a organisé une petite teuf. En parlant de souffler, t'as des bougies à éteindre, petite nerf. Allez, vas-y, souffle, approche du gâteau et appuie sur A. Griffouille. Non, elle m'appelle tout le temps Griffouille tous les jours. Hein. Ah, c'est pas ton nom. C'est ton nom, ça. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ouais, trop fort. Dans vos faces, les bougies, t'es prête pour ton cadeau? 10 contre 1 que tu vas en chialer. Je sais plus ça. Je suis pas sûr que ça va te plaire, mais tiens, c'est un cadeau quand même. Encore une fois, joyeux anniversaire, Athéna! Enfin, Lilou. Je suis appelé Lilou, quoi. Attends de voir ce que je t'ai préparé. Je suis loin d'en avoir fini avec toi, Lilou. Tiens, un jeu, ça te tente? Bouge pas, je te prépare ça. Une chance au trésor, c'est une chance au trésor. Une piñata! Tadam! Dis-moi un peu ça, elle est pas belle ma piñata? Oh, une piñata étoile! On a tous bossé dessus, elle est pas mortelle, Griffouille! Et en plus, il y a ton cadeau à l'intérieur, alors mais c'est un coup de tatane pour le récupérer, je sais pas comment de cause, Vanessa. Voilà! Un coup de tatane, bon, on a une piñata défoncée, fais-moi signe quand t'es prête à lui faire sa fête, Griffouille. Tu vas avoir plein de cadeaux, oh, t'as un cadeau en plus à ouvrir, c'est cool. Elle est où? Non, ça c'est mon cadeau. C'est quoi son cadeau? Ouvre-le! Vas-y, ouvre, mets-le en place, mets-le en place. Ah, salle de fête. Fête, installe-le. Non, c'est pas chez elle, elle peut pas l'utiliser. Ah oui, d'accord, je suis bête. Suis-je donc bête? Bon, oh, bravo, super cadeau. Ah, je me prends des mains, Voilà. Ouais, voilà, on peut même fêter son anniversaire sur Animal Crossing. Ah, tu sais, donc en fait, elle t'attendait chez toi, Vanessa? Voilà. Non, elle a dit, viens chez moi, j'ai un truc à te dire. D'accord, super. Allez, dépêche-toi de briser cette piñata, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Je veux revoir Vanessa. T'es prête, Lilou? Tu vas devoir taper vite et taper fort. Allez, passe-toi en dessous. Ah, pour défoncer ta piñata, pour défoncer la piñata. Il n'y a pas 36 solutions, faut cogner comme une maboule et à vitesse grand V. Alors quand je te dirai go, appuie sur le plus rapidement possible sur A sans t'arrêter, d'accord? Appuie. Attention, prête. Allez, vas-y. Ouais, défonce-la, c'est parti, vas-y. Éclate-moi ça. Vise bien, fais-toi plaisir. Défonce-la, allez go les loups. Allez, vas-y. Défonce-la, tape dessus. Éclate-moi ça, bravo! Ouais! Bravo, tu l'as ouverte en deux, regarde-moi tous ces cupcakes d'anniversaire! Yeah. C'est bon ça, hein? Ils sont vraiment trop bons ces cupcakes d'anniversaire! Trop mignon! Il y en a tellement! Si t'en as trop, fais pas ta radine et partage avec les autres! D'accord! Plutôt sympa, hein? Tout le monde a mis du sien pour qu'on se marre à fond les ballons! D'ailleurs, la célébration elle-même est bouclée, maintenant, place à la teuf, Griffouille! Allez, danse! Tu danses? Fais une mimique! Ouais, c'est pas une musique de ouf, hein, mais bon. C'est quelle mimique? Mimique de joie. C'est quoi ça? Lequel? Celle-là, avec les bulles, avec la bulle. La réflexion. Ah, bah ouais, vas-y, je fais la joie. Ouais. Bon, bah voilà, anniversaire sur Animal Crossing New Horizons sur Switch. Un anniversaire d'Athéna, 8 ans, placé sous le signe de la Switch. Trop choupinou. La déco te plaît, c'est moi qui l'ai fait.
C'est tellement bien les fêtes d'anniversaire. Pourquoi on n'en organise pas plus souvent? Hé hey, Lilou, tu veux pas qu'on refête ton anniversaire demain? Ouais. Pas tous les jours que la vie nous fait des cadeaux, alors profite bien de cette journée, Griffouille. Je pense que c'est fini là. Elle déchire ta fête d'anniversaire. J'ai hâte qu'on remette ça l'an prochain, Griffouille. C'est bon là. Et voilà. Tu t'en vas déjà? Ok, la pluie c'est doux, c'était cool aujourd'hui. Yeah. Ouah. C'était trop bien. Ouais. C'est trop mignon. Ça t'a plu, Dana? Ouais. On prend pareil le 3 mai. Joyeux anniversaire, c'est toujours chouette de faire la fête autour d'un bon gâteau avec ses meilleurs amis. Bon bah voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et l'anniversaire, franchement, l'anniversaire d'Athéna, c'était un truc de ouf, cette petite surprise, cette petite fête. T'as aimé Athéna? Ouais. Ouais? Ton anniversaire dans Animal Crossing. Bon, en tout cas, si vous avez aimé, laissez un petit pouce bleu, on se retrouve très vite sur Studio Bubble Tea Gaming pour une autre vidéo de... Peut-être de Save the Girls, parce qu'il y a des nouveaux niveaux qui sont arrivés. Ça y est, ouais, on va les faire sur Studio Bubble Tea Gaming maintenant. Allez, gros bisous et à bientôt. Et n'oubliez pas, la vie, Athéna, est un jeu. Vidéo. Ah oui, c'est vrai.